tu demandes à Michel, lève tes deux mains. Non, ben Michel, aya tout maman beaucoup mieux. Tout à l'heure, alors qu'on chantait, car la mingi t'attend dans ton yemba. Je vis, tu venais d'en bas. Na moi pendant où t'as fait. Et tu escaladais une montagne. Tu m'as dit comment t'as gomba. Et puis tu as atteint comme un plateau. Mais je voyais une deuxième montagne avec une grande couronne au-dessus. Et Dieu me dit, il vient de loin. Il est déjà quelque part. Mais je l'attends plus loin. Et j'ai entendu trois choses. La première, dis-lui qu'il ne se contente pas de ce niveau où il est arrivé. La deuxième, j'ai vu les chiffres 30. Et je vis comme l'aigle qui va se cacher. Qui casse son bec. Qui se déplume. Et je vois un nouveau bec sortir. Plus pointu, plus dur. Je vois de nouvelles plumes sortir. Dieu me dit, tu as plusieurs engagements. Et Dieu me dit, avant la fin de l'année, cherche 30 jours. Sans prestation. Sans invitation. Cherche Dieu. Et ça va te relancer à ce deuxième effort. Dieu dit, si tu ne le fais pas, tu feras du niveau où tu es le maximum. Alors qu'il t'attend plus loin. Évangéliste, prophète, enfant de Dieu, musicien, éducatif, professeur, médecin, maçon, chégué. Chauffeur, femme commerçante, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires aussi, et toutes les couches sociales de notre pays et au travers le monde entier, la diaspora, merci. Moi, c'est José Obolo à l'international, à partir de l'Afrique du Sud. Merci de pouvoir choisir ce programme, Espace Terre, votre émission, là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Dans votre site www.congodialogue.com. Que coordonne la grande dame Francine Guembe de la Belgique, la grande dame. Merci à vous encore une fois pour la confiance que vous nous donnez. C'est vraiment triste de pouvoir faire cette vidéo après avoir suivi tardivement, nuitamment, l'intervention de notre sœur, la grande sœur à notre frère Michel Bakenda, la sœur Lycie Bakenda au niveau de Paris. J'ai partagé un peu ses larmes, j'ai partagé un peu ses soucis. Le vrai problème, ce n'est pas seulement son intervention. Ce qu'il disait pas, bon, comme elle a dit, elle ne se justifiait pas, elle voulait juste enlever quelques équivoques pour attirer un peu l'attention de l'opinion publique. Dommage qu'aujourd'hui, quelqu'un ait un problème de mariage, un des rando, comme on dit à Lingala, aux anarando, Facebook, les réseaux sociaux, vos problèmes privés. Dans vos maisons, problème de mariage, conjugal. C'est comme si Facebook, les réseaux sociaux deviennent des plateformes pour s'exposer. Mais dommage, moi j'appelle ça c'est l'immaturité. Je crois que Facebook, les réseaux sociaux sont là juste pour édifier, instruire, peut-être informer. Mais ça dépend d'une personne à l'autre, la manière dont la personne utilise cela. Quand cela ne tient, tout le monde est libre parce que tu ne peux pas dire que non, il ne faut pas publier ça ou ça. C'est là ou ça, non. Chacun est libre, il a ses méga, il a ses data, chacun de nous est libre, il a ses wifi chez lui à la maison, le wifi chez lui, au bureau, partout, dans les lieux publics aussi, dans notre pays ici, dans des offices, quelqu'un organise ses wifi. Donc tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'on poste à Bablo ou souhaité. Donc tu as un libre au salon. Donc c'est un peu ça. Mais dommage que quand tu postes quelque chose, tu dois savoir ce que tu postes et pourquoi tu postes cela, dans quel objectif, dans quelle intention que vous postez tout ce que vous voulez poster. Parce que tu es libre de poster n'importe quoi. Et tu le dis n'importe qui. Tu es libre de poster n'importe qui et tu es libre de poster n'importe quoi. Donc c'est tes méga. Donc là, on n'a pas une discussion à faire là-dessus. C'est plutôt plus ce qui m'a plus écœuré, la situation de notre frère Michel. En suivant l'intervention de ma soeur Lycie, elle pleurait.
pleurer des larmes, mais c'est ce qui m'a aussi tiqué un peu de venir rappeler à vos petits écrans, chers amis téléspectateurs, chers compatriotes congolais. Voyez un peu ce qui s'est passé. Michel Bakenda, non seulement qu'il est victime de ses faiblesses, bien sûr, en exposant ce qu'on a vu dans des réseaux sociaux il y a quelques semaines, il est aussi victime d'empoisonnement. Moi, je ne m'attendais pas à cela. Ah, peut-être autre chose. Peut-être la sœur pouvait se défendre. Non. Ah, peut-être la sœur voulait peut-être venir. Non, on a les réseaux sociaux pour nous confirmer. Pardon. Et puis, retrait. Il y a frère Michel Bakenda. On a les réseaux sociaux ou peut-être dans la prestation, dans la scène musicale. Mais ce qui m'a plus écœuré, c'est qu'il a dit que le frère a été empoisonné. Chers téléspectateurs, Bandeko. Bon, moi, je dois parler parce que je dois parler. J'ai étudié ça. J'ai des respects avec la déontologie journalistique, le reportage, l'investigation, je dois parler. Pourquoi ? Parce que je dois parler. Je suis libre parce que je suis libre de parler et de mettre aussi mon point de vue. Et ce que j'évite, c'est moi les insultes, les opinions un peu haineuses plutôt, face à certaines de nos réactions, certaines de nos analyses. Voilà. Quand cela ne tienne, ce qui m'écœure plus à venir faire cette vidéo, je crois qu'on puisse un peu se poser la question, pourquoi seulement Michel? Pourquoi il a subi ce cambriolage, comme sa sœur a dit? Non seulement par rapport à ce que la sœur a dit, mais en tant que Congolais, réfléchissons un peu. C'est vrai que Michel, ses faiblesses, on l'a vu, il s'est masturbé selon les uns. On l'a vu à demi-nu sur les réseaux sociaux, c'est vrai. En plus de cela, Michel, c'est un célibataire. Ce n'est pas la raison pour laquelle, et je crois que Lucie a même emphasisé, plutôt signalé, pourquoi Michel ne se marie pas encore. Lucie a bien dit qu'il a peur du divorce, parce qu'ils ont vu leurs parents divorcer. Vous voyez, la maman est vivante, sous tension, in and out, comme on dit en anglais, à l'hôpital, à cause de ces nouvelles, à cause de ces cambriolages que leur fils, que son fils est en train de subir aujourd'hui. La maman de Michel Bakenda est en vie, elle est à Paris, avec sa soeur Lucie. Donc, attention, moi qui t'en aurai m'attaqué par rapport à ce qui se passe contre moi, Nanaé. Quoique c'était une erreur de sa part, bien sûr. On consomme cela. Mais ce qui nous écœure encore, nous, le média, et moi, personnellement, Boulois, je me demande pourquoi Michel a subi. Pourquoi c'est mal lui qui doit être victime de l'empoisonnement. Qu'est-ce qu'il a fait là, compte à rendre à qui? Réfléchissez un peu. Lucie a dit que Jérémy, même Jérémy est là, Azana Sou, Azana Poison, et certains autres musiciens, parce que Fabrice Moulage a Kimaki, Serve Moussou, son appel Bakanga et Bango, jour enlèvement, il y a 3 semaines passées. Tout le monde a des réseaux sociaux, tout ça après un moment donné, tout le monde a des missions pour libérer Jérémy, Kongolaza innocent, tout ça. Mais ça, on se demande un peu, qu'est-ce qui ne va pas dans notre tête, nous, Congolais? Pour ne pas dire d'abord chrétiens, qu'est-ce qui ne va pas dans notre tête? Un patrimoine comme Michel Bakenda, nous voulons le perdre quand Ningwana. Un patrimoine comme Michel Bakenda, que Dieu a élevé à son âge, son jeune âge, fleur d'âge, doit tout perdre quand Bongo. Pour nous mettre maman Beka à Bissoba Congolais. Et je me demande, celui qui a fait ça, Mouto Atié Poison, est-ce que Abo Sana quitté peut-être Monsieur Zalaïba Kanga Jérémy Naba Monsieur Moussous, que ce beau Kangi Bango Ba, à partir à prison, soit Fimbu, soit Maï, soit je ne sais pas même pas quoi. Jusqu'à la tête que je n'ai cette investigation, je suis en train de me rechercher aussi, appeler ça au niveau de la RDC, pour en savoir un peu plus qu'est-ce qui se passe. Et qui est derrière cet empoisonnement? Et pourquoi Michel? Pour gagner quoi? Et qu'est-ce qu'il a fait pour que lui mérite l'empoisonnement? Un poison retardé. On ne sait pas pour quand ça va tenir. On ne sait pas pour combien de temps. Et si vous suivez la réaction de Lucie Bakenda, elle a dit que elle a appelé à partir de France qu'aux un visa Canada, aux un visa États-Unis, pourquoi pour Bima, pour se faire soigner. Il a dit, bon, on a bimé à l'homme musicien dans l'Amsous. Vous comprenez la personne qui a un cœur d'un leader, il s'en soucie aussi, il se soucie de ses travailleurs. Bien sûr, en dehors de Sababa, à travers, parce que ATS, c'est entreprise, mon bimba.
fondation Bakenda et sa entreprise Mobimba ONG bien sûr. Atteste sa structure Mobimba O Michel Atier. Namo mukonta mbapambola ka futaka Jérémy, afutaka Yvon, afutaka Jimmy, afutaka ba musicien belé belé wana ba Rachel tout ça. Ba jeune onion se tomani ba bipé ça. C'est vrai que bazana erreur na bango. Mais pourquoi to boma pratiquement non nzamba pesi biso? L'emson di melano nzamba te mais un artiste musicien. Parce qu'on soit habitué télé mais là bas chrétien, un artiste musicien, oiseau pèse habite son message, mélodie a bien, là bas souci au yokin c'est ma Michel Bola Moleke Belé l'amour c'est une personne. To bon mais kaka bon à son âge. Michel je ne pense pas qu'il a encore 40 ans, quoi que ce soit a peut-être disclose, n'a pas voulu révéler son âge. Toutes les accusations Bolo bas qu'azan a moins à 18 ans, azan a moins à 10 ans, moins à d'abord il y a grande sœur naïe, Michel est-ce qu'elle a jamais qu'au bout de moins à 18 ans? Je crois que la sœur a éclairci un peu. A éclairci ma propos non soit. Et puis cette excuse, c'est une pardon. C'est vrai qu'en tant qu'humain, je suis très choqué parce que la famille est discréditée. Ça, ce n'est pas vraiment un problème. Mais moi, mon problème, c'est que je viens faire cette vidéo plutôt, pour me demander un peu réfléchir, chers téléspectateurs, chers amis abonnés à Congo Dialogue, maman Francine Ngembe. Pourquoi Michel? Pourquoi l'empoisonner d'abord? Pour prendre quoi et chercher quoi? Pour gagner quoi? Ces jeunes, moi, je suis venu à l'église, je suis venu à l'église, je suis venu à l'église, à comment on va faire voyager. Même si là, c'est faiblesse, il y a un niveau qui est empoisonné. Pour me dire, je suis venu à l'église. Je suis venu à l'église. Je me dis peut-être, remarquez que, après l'incident, il y a Mike, Moïse, et puis, subitement, Michel et Kobimana, la photo, chers téléspectateurs, on remarque. Arrestation, peut disparition, toi kidnapping comme on dit en anglais, bah kidnapper bango, bah enlever bango. Michel a été enlevé, je sais combien d'heures, bah qu'on retrouvait, bah qu'on libérait. Jérémy Ndego t'a continué à guetter, bah quand même bah ça mouissier libosso bah tu n'as la police. Pourquoi? Parce qu'ils ont porté mes informations soit disant il y a tout le monde au bazar, bah photo, bah fille, bah photo, bah frère, bah tout ça, bah nudité, bah tout sinon t'es bah zolo kaba kangaï po, bah beau tout le téléphone ou ana. Chers téléspectateurs, réfléchissons un peu. Moi, je me dis peut-être, Tindaki Bato va enlever Jérémy Kongolo. Tu as un musicien, Moussousou, pour qu'il y ait un studio, selon l'information de Tozaki, Kangi Bangonionstou, Naba Yvon, vous avez suivi Marie-Laure, Abengaki Josiane, moi aussi, y a Yvon, après ça, il y a un message, tout, wana. Ils sont à quoi bah, mériter l'Okanengwa. Pourquoi nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes si nous en avons bien sûr dans l'amiable et toujours. Même à Blora Beliano na ba Moïse conspiration ça cambriolage toujours. Et le pasteur Moïse et Eliane ba yebilo ba osala. Et la famille d'Eliane ba yebilo ba osala. Ngana commenter soutien parce que j'ai compris. La journaliste là ba nord défendre ba procès tout ça to landa landa wana. Le local me koti bien sûr que ba juge na ba avocat ba ke greffe na Congo. Mais ça, moi, somehow, quelque part, on comprend que. Sur l'indi, peut-être, des informations. Non, ils ont dit que je rando, je suis rando, je comme on dit dans le Congo. Je suis rando, je suis rando. Donc, pour la famille, elle va bénéficier de son 300 000 dollars, son combien de dollars Moïse a foutu. Mais je pense que si tu as besoin d'argent, allez seulement à bureau Moïse. Pasteur Moïse, libéré un homme au monde pour toi, tu as foutu, tu as foutu, tu as misité, tu as sous qualité. Mais pourquoi créer tout ce scénario? Moi, je me pose la question, quel est l'avenir, quel message je dois passer à la génération en lobby? Eliane Lobby Robota, voilà juste une parenthèse, Mambéliane. Eliane Lobby Robota, c'est la manière dont tu vas éduquer ta fille, soit au Botiba Nabasi, que créer un scénario. Il y a toujours une fin dans chaque situation. Il y a toujours une fin dans chaque situation. Même la famille d'Eliane. J'ai suivi les juges de Moïse. Je te salue, mon frère, tu as bien défendu. Et tu n'as pas eu les partis pris. Sauf que tu défendais ton client Moïse avec des propos vrais. Parce que jusque-là, ils n'ont pas dit que il y a un avocat, un Jimmy, un Mini, un Baksaki. Voilà, certificat, un hôpital, un Tokenda, qui jupe, un avocat, un BTM, un Sassali, un Tissuko, un Toye, un BTP, César. Ils ont des éléments, un Mouna, un Kouté, un Katouana. Tu as une preuve montée que tu as violé quand il a âge à 17 ans. Reportement médical et salamat, pas reporta, un Kouté, un reporta, un Kouté, excusez-moi le terme en français et en anglais. A même un rapport, un Kouté, un Kouté, un Kouté. Donc, ce sont des choses oyo, et c'est un peu bizarre, ma cambon. Ça, c'est une parenthèse. C'est pour dire que mon terme a bien 14 ans, on 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 a bien
que Moïse soit ait raison ou tort, mais la manière dont le procès est tenté de se dérouler, on comprend qu'il y a l'escroquerie, on comprend l'envie, on comprend la jalousie, on comprend la haine dans ces dossiers Eliane et Moïse, de part et d'autre. Je crois que Eliane, si tu as maintenant 22 ans, demain après demain, tu vas te marier. Non, c'est pas le que juge à l'objet. Juge à l'objet, c'est en 2019 que Christian, soi-disant le fiancé à Eliane, a proposé à qui est. Donc là, soit on a violé les alaraté. Est-ce que Bethel Christian est celui qui nous a dit que le pasteur Moïse a violé dans la vie? Non, je ne sais pas si ça n'a pas été. Puis nous avons dit que Bethel a proposé. Nous avons dit que ça a écrit pour nous. Nous ne trouvons pas que quelque part, something wrong. Et nous avons dit que nous avons dit que je suis Eliane sur base de quoi? Tu cherches les choses sur le banc des mensonges. Dans le 8 mars, mes filles, ma femme, mes soeurs, je suis Eliane. Sur base de quoi? C'est le mensonge. Si vous avez besoin de Moïse, c'est vrai que Moïse pourrait avoir. Il n'y a pas de fumée sans feu. Mais le processus, il y a Makamon Kendeli. Vous trouvez que vous avez des Congolais qui ont des escroquages dans Katuana. Escroquerie, Moïse, dans Katuana. Et je suis sûr que si vous avez un PCL, 20 000 $ en vendant un nénien. Mbongo a Makila, Bokolia. Et puis procès à Makila. Procès à Makila. On a fermé parenthèse. Vidéo n'a rien à voir avec ça, par rapport à la déclaration, la confirmation de l'ICI, qui est en il y a un frère. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est un problème. Ça m'a vraiment touché, même je suis joué là. Chers téléspectateurs, nos pasteurs, ça c'est un message que je me demande, je lance. Est-ce qu'on peut laisser cette manière à moi de Michel Bakina? Même s'il y avait tort, même si on a vu ses faiblesses. C'est le temps maintenant pour que tu nous as crucifié pour voir qu'il y a celui là on a mouli les bimis. Ah ok. Il y a mouli les bimis parce que c'était un nom public. Bon, il y a mouli le salaka parce que c'est pas le problème. C'est pas le problème. Mon problème est que nous devons savoir qui est derrière cette question. La famille de Bakenda, je suis sûr et convaincu. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Si moi je faisais pas la famille de Bakenda, je devrais vraiment faire des investigations. Et pourquoi l'empoisonnement, Michel? Pourquoi l'empoisonnement? Pour gagner quoi? Toi qui es derrière cet empoisonnement. Soi-disant frère, pasteur, évêque, toi, je ne sais pas moi qui tu sois. Parce que moi, j'assume, je suis en train de mettre des hypothèses que le target, ce n'était pas Michel, le target, le cible, ça devrait être Jérémy Kongolo, Ndeba Levaki Bangoana. Ce que bato batinda ki ba lever ba ngwana ba confondre peut-être bon to limiter éliminer ba ngoto la sœur de Libakenda dit lui Libakenda dit hier intervention en émission que c'est un poison retardé donc c'est-à-dire muta tite ba tite la ba poison retardé on a linga mona Michel souffrir maintenant l'album de mon frère Paul Bakenda et souffre quand il est septième jour. Peut-être na YouTube, peut-être na Facebook, ya Paul Bakenda, au moins, moi, extrait. Ya Nzembona Babani, Michel, comme Lucia dit, moi, je regardais ça aussi. Michel avait un kit, un téléphone. La Lucia, Lucie, qui n'a pas donc, après 10 minutes, donc, il est à la toilette. C'est que poison, petit à petit, au côté de nous autres, ya Michel, désolé, Akaï. Imagine que le lot, yo, bomi Michel Bakenda, hôtelier poison. Je déclare cela au Koufaté, à moins que Nzamba permette. Mais si ils arrivent à prendre un partout, Michel au Koufaté. Et je me demande si réellement Michel aussi sait qui est derrière ça. Moi je trouverais, je souhaiterais qu'à Bimisa, soit à sa frère, à sa pasteur, à sa musicien, à sa nanya, à sa loukavine, à sa loukavine, à Michel, comme patrimoine, il y a un reste de musique. Tu perds les cachons. Comment vous pouvez maintenant m'aider ma maman Bémengwa? Même s'il y a des rendre entre vous, c'est vrai, c'est bizarre. Est-ce que tu peux se souvenir de ce que tu effectivement, le monde est entré dans l'église. L'eau a poisonné, il y a des politiques, l'eau a moquillé, l'eau a tout ce pouvoir. Mais comment tu peux dire que tu peux te dans la casse de l'église? C'est sûr qu'ils ont l'éloté, Bandakal. Ils ont l'éloté, Bandakal. Ils ont l'éloté.
Nani atiki la tela ki e poison? Nani? Nani atiki déjà le poison? Moi je suspecte. Mouto a tinda ki va enlever. Au bateau va tinda ki va enlever Michel. Va enlever Batunaye, va Michel Naye, va Yvon, va Jérémy. Mouto a la poison pour ta poison. Bientôt nous donnons raison. Trop en beauté. Là, j'interpelle les corps de Christ, les comités des francophones d'église des réveils. Le pasteur Kakien, le pasteur Sonny Kafuta, le pasteur qui, Léopold Mutombo, qui encore bah est né à pasteur, tout ça. Bino Nyos, le pasteur Kizamine, s'il vous plaît, pour écouter l'eau pour la beauté. Michel Badabine, c'est un patrimoine à Katia. Une bénédiction pour le corps de Christ. Scandale à ma film et toi vidéo n'a pas de photo n'a pas de photo n'a pas de photo n'a pas de photo n'a les gens cherchent à partir au fond de barre rapport n'est en vie privée n'a pas de photo n'a pas de photo n'a pas de se masturber n'a pas de rapport ni les avoir c'est sa vie privée mais qu'est-ce qui fait que l'île Oyo bouté les poisons n'a pas de photo n'a vie n'a pas de photo n'a tant que célibataire nous encourageons passer là. Rapport ni les avant. Le pasteur, l'église des réveils au Congo. Ah, c'est ça l'association, je ne sais pas ce que vous église des ERC. Église des réveils au Congo. Le pasteur Kankenza. Le Patrice. S'il vous plaît, au son de ma voix. Moutonio Sagolanda Biba Boulo, pasteur Fonsu. S'il vous plaît. Papa Patrice, c'est le temps avant les enfants. Je crois parmi les musiciens, papa Patrice, nous sommes amis ici à l'association qui est un musicien chrétien dans la RDC, au Yébi. Parce que nous avons une interview, c'est là que nous avons dit la vidéo. Maintenant, nous avons dit papa Pimboma, au Boyango. Car cela ne tient pas. Mais aux interpellations, au vent de qui mettent tout et dans les mains, un frère, un jeune, un abalité, un bout de bête. Donc, à Boyé, à l'imoire, à Mokinde, à la San Papa. Comment on peut provoquer sa vie si précoce, sa mort si précoce? Ça ne va pas. Nani a-t-il acquis Michel Bakenda poison pour le lot Michel Bakenda balance barabagari à faire ça l'esprit. Moralement là, déjà abattu, torturé, lapidé, mais ne commit-il en zoto? Vidéo en est à yé moko total dans les réseaux sociaux en est lié. Et ça qui a moutou. Est-ce que Michel a bien mis ces vidéos à moutaka la moutou? Est-ce que Michel Bakenda a bien mis ce qui vous a dit que le lobby est le roman où il passe d'ailleurs rarement dans la chaîne de télévision? Je l'ai reçu ici, dans la concerne dans le pasteur Billy Grace Nonga. Là. Il s'est réservé de parler. Je lui donne pour votre impression peut être accueilli. Car on m'a dit que, depuis lorsqu'il témoigne, il témoigne que sa propre vie, en tout cas, jamais on avait interviewé Michel Bakenda pour le banavir. Je parle à tant que Congolais, au début Michel a un patrimoine. On a un patrimoine de ce que Michel a fait. On a fait un baba, un bébé, un rassemblement, un famille belle, acclamons Jésus. Rassemblement, un famille belle. Troisième édition, donc tous en la quatrième édition, c'est pour faire qu'il y ait un grand. Non, nous disons non, non, non. Pasteur, prophète, église et réveil, c'est le temps de se lever. Si réellement nous aimons notre frère, si réellement l'amour est entre nous, tout télément, tout luka, tout dénoncé, tout exposé, moto à Tseli Michel Bakenda, poison. La mission, nous sommes là, nous ne sommes pas là, nous hypocrisie, tout ça, nous sommes forts, les chrétiens, soi-disant. Hypocrisie. Peut-être que nous sommes là, nous sommes là, même chose accomplie, ce cas accomplie, c'est un cambriolage, il y a Michel. Mais c'est le temps. J'ai lancé un appel au numéro dans un petit écran. Je suis Michel Bakenda. Nous devons savoir qui est coupable, qui est derrière l'empoisonnement. Il y a Michel Bakenda. Pasteur Evangeliste Kizamine, Kankienza, le pasteur Ngalasi, le pasteur qui encore, le pasteur Eskel Makadi, le pasteur Marcelo. S'il vous plaît, les hommes de Dieu, avec beaucoup de regrets et beaucoup d'interpellations, s'il vous plaît. Corps de Christ, musicien chrétien, tout le monde, Nani Ateli, notre frère Poison.
même si ils avaient des rangs, comme maintenant ils voient poison vraiment, pour gagner quoi? Frère, pasteur, c'est le temps de se repentir. Tu ne peux pas aller jusqu'à ce niveau. Tu es un meurtrier, un hypocrite, un pharisien. Hein? Place nous a maintenant en enfer. Avant que l'olifeleuse aille, il ne faut pas kango penza. On ne peut pas perdre notre frère. Un autre va suivre. Je dis un grand merci à Lucie Bakenda pour le courage que tu as eu, ma soeur. Nos prières seront derrière vous. Nous allons continuer à vous soutenir. Paul Bakenda, nous allons continuer à vous soutenir. Maman, nous allons continuer à vous servir dans nos prières, que nous allons protéger vous, attentionner vous dans normal, parce que maman m'a retourné en dima, moi, je n'ai pas sambouissé, je n'ai pas sambouissé, je n'ai pas sambouissé parce que sa faiblesse n'est une erreur, mais pas dans le niveau à côté les poisons pour éliminer, parce qu'on s'est bommé déjà, hein frère, pasteur, comme toi, Nassimana, on s'est bommé déjà, Michel, tu es un maître, mais là, tu peux combattre Jésus, tu es un aventurier, un agent du diable. Un agent du diable, un sorcier, Benza, pour gagner quoi, tu cherches quoi? La sorcière des musées chrétiennes à RDC, Yamou, Papa Patrice, Frère Denis Ngonde, José Ndita, Maman Lydia, Maman Laure, qui encore? Bozatel Mebele.